Amis jardiniers, bonjour. Juste une petite vidéo aujourd'hui pour vous raconter mon histoire de chou-fleur. Les chou-fleurs, ils sont là. Ça, c'est un chou-quède. Et ça, c'est un chou-fleur. La petite histoire, c'est que j'en avais semé beaucoup de chou-fleurs, comme celui-là. Et j'avais vu dans une vidéo que s'il n'y avait pas de fleurs, en fait, c'est que le chou-fleur était stérile et qu'il n'aurait jamais de fleurs. Donc j'en ai arraché. Et puis finalement, j'en ai laissé quelques-uns, là, 4-5 ici. Et on peut voir que, ben si, il y a bien une pomme qui a fini par se former. Celui d'à côté, c'est pareil, même si elle est toute petite. Voilà. Par contre, je ne sais pas si vous avez un système pour que ça reste bien blanc. Je crois qu'il faut les refermer, il me semble, les feuilles, mais je ne suis pas sûre. Et on peut voir que les autres que j'ai, ben, ils sont pareils. Celui-là, il a fait une petite pomme. Bon, ça, c'est un chou de Bruxelles, donc ça ne donnera pas de pomme. Celui-là, c'est un chou de Bruxelles aussi. Et celui-là, c'est un petit chou-fleur aussi. Donc... voilà, ne désespérez pas, quand il n'y a pas de fleurs, elle peut arriver même tardivement. Donc je ne sais pas si vous avez des expériences en ce sens, racontez-moi. Sinon, j'en ai refait pour cette année. Voilà, mes petits semis de chou-fleurs qui sont là. C'est un peu le bazar ici, parce que là, j'ai fait un petit semis de fèves. Je pense que j'ai mis trop d'eau. Et donc j'ai peur que ça pourrisse. Et là par contre j'ai fait un petit semis de petits pois qui pousse bien, et je le fais d'abord en petit godet comme ça pour éviter qu'il soit mangé par les limaces, les ratopiers et autres au jardin. Voilà donc où j'ai planté les autres que j'avais fait la semaine dernière. Mais alors je vois ici, ils sont dévorés, je ne sais pas pourquoi. C'est des limaces, celui-là, ça va, ça résiste. Et après ici, là j'ai des betteraves. Voilà, là, c'est le jardin. Et là, ce sont mes semis d'oignons. Voilà. Il pousse bien, évidemment. Voilà. Et puis d'autres choux, fleurs que j'ai mis en haut. Voilà. On va aller voir l'ail. J'ai fait des semis d'ail. Voilà. C'est de l'ail germidoux. On voit qu'ils sont en train de... Ça commence à pousser. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Et tout sous doucement. Et sinon au jardin il ne reste plus grand chose, mis à part les poivrons qui continuent à faire des fleurs, alors que on est quand même le 22 novembre et que les nuits sont très très fraîches, et on voit que là il y a encore plein de petites fleurs partout. Voilà. L'année prochaine, j'essaierai de les mettre sous la serre et à mon avis, ça pourra faire des poivrons. Et ça, c'est une expérience que je ne renouvellerai pas l'année prochaine. C'est un concombre kiwano. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un concombre africain qui donne des fruits comme ça. Voilà. Hop. Ici, voilà, tout piquant. Il pique vraiment, et normalement il est deux fois plus gros, hein. Là c'est parce que c'est la fin de la saison, mais à l'intérieur il y a beaucoup de graines, et en fait je trouve qu'il n'est pas d'un intérêt extraordinaire, mais je ne sais pas si c'est parce qu'il a manqué d'eau cette année ou pas. Donc si vous avez déjà cultivé cette espèce, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis là il y a quelques poivrons encore, tout petits.
un autre ici un peu plus gros. Voilà. Ici un autre. On prend au mois de novembre. On peut perturber ce poivron, je pense. Ici aussi. Peut-être une dizaine sur ce pied-là. Incroyable. Et sous la grande serre, les tomates sont en très mauvais état, mais le plant lui-même est en mauvais état. Mais par contre, il y a encore plein de tomates qui vont peut-être mûrir, parce qu'on en a encore mangé il y a deux jours, une qui était très bonne, même si elles sont moins goûtues évidemment que pendant l'été. Là derrière, il y en a une là-bas aussi. Ici aussi. Voilà, une petite tomate. Et je me rends compte qu'il y a encore un pied de concombre qui donne encore des fruits. Tout petit, on dirait des cornichons. Mais là, il y en a un, deux, trois, quatre. 5, 6, ouais. Ici aussi, 7, 8, 9, ouf, énormément, je pense pas qu'il pousse, même si je mets un petit peu d'eau pendant l'hiver sous la serre pour garder la terre humide, on verra. Et ça, c'est un pied de Brutus. Si vous ne connaissez pas cette variété-là, ça a fait cet été un énorme pied avec beaucoup de grosses tomates. Qui étaient très bonnes. Et là, je viens d'en récupérer encore une. Et encore une petite tomate, une grosse tomate. Voilà, qui est presque mûre. Et pour finir, quelques betteraves. En pleine forme, dont celles-ci qui sont des shioga, qui sont magnifiques et très bonnes. Voilà mes jardiniers, ce qui reste du potager de cet été, et avec tous les petits semis qu'on est en train de faire. Ça va encore nous occuper un petit peu. Belle journée à tous.